Shabbat shalom! La paracha cette semaine, parachat Bechukotai, parle sur un formule classique de la récompense et la punition. Il y a une liste de bénédictions et une plus grande liste de toutes les malédictions. C'est un contrat. Si on fait les mitzvot, il y aura la nourriture, la pluie, la prospérité. Et l'inverse, si on ne fait pas le mitzvot, la terre sera sèche, il y aura la guerre, la pauvreté, la famine. Et cela semble un peu naïf, facile, primitif. C'est facile de moquer des gens qui pensent de cette manière, non? Mais en fait, je pense que le contraire est naïf. Je pense que toute la connaissance aujourd'hui de la changement climatique, par exemple, dit la même chose comme le parasha, que nos actions peuvent changer le monde. Mais ils peuvent changer le monde à cette direction ou à cette direction. Les bénédictions et les malédictions sont dans nos mains. Tout dépend à nos actions. Et c'est ça, ça c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas juste mettre le tefillin, allumer les bougies de Shabbat. Ils sont aussi importants. Mais les mitzvot sont nos actions chaque jour, chaque moment, chaque décision. On peut faire un mitzvah, c'est-à-dire faire les bonnes choses, faire le mieux dans ce moment. Et la vie, la terre, dépend à cela. C'est difficile. C'est difficile d'être juif. Difficile d'être un être humain dans notre monde. Mais la responsabilité est la nôtre. Bonne chance. Shabbat shalom.